Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Écologie, le Let's Play Découverte, où on va découvrir au fur et à mesure maintenant, eh bien, la modernisation de Evergreen Harbor, vu que ça a été validé la dernière fois. On va voir comment ça évolue. Pour la maison, il y a quelques petites nouveautés. J'ai rajouté deux boîtes à insectes. On va essayer de faire les trois en même temps. On verra bien ce que ça donne. Dans la maison, nous avons ça qui a bougé d'emplacement d'un carreau. Parce que, en fait, ce qui a le plus bougé, c'est en dessous. Voilà. Alors, ça se voit pas beaucoup. Mais j'ai fait rejoindre, en fait, les deux containers que nous avions ici. Du coup, ça fait juste un plus grand salon. J'ai bougé le truc de bougie. Ah, l'échelle est ici, du coup. Les toilettes qui étaient là se sont retrouvées ici. J'ai bougé aussi la table d'échecs ici. Et on a toujours un petit salon sympathique, quoi. Voilà, voilà. Ouais, je sais, Sacha. Ouais, t'en as marre aussi. Allez, tu peux aller prendre ton petit-déj de la salade. Et aujourd'hui, elle travaille toujours à 10h. Oh, mais elle va avoir une promotion aussi. On va arriver au niveau 4 de la carrière ingénieur civil. Bon, j'irai pas jusqu'au niveau 10 hein, pour ce let's play. Je pense qu'il va bientôt prendre fin. Je ne sais pas encore comment tout ça, sachant que maintenant ils s'en sortent, ils ont 5000 simflous dans le truc, et puis voilà, ce que je fais c'est découvrir toujours un petit peu eh bien, les fonctionnalités d'écologie, et voir surtout comment Evergreen Harbor va se moderniser, parce que ça peut être très beau. Oh là là, c'est cerisier. Et voilà, c'est une jolie promotion que nous avons là pour Sacha. Bravo à elle. Est-ce que je la fais planificatrice municipale? Donc la planification. Alors, d'aller maintenant informer, mobiliser, enthousiasmer les Sims locaux pour améliorer leur environnement ou techniciens en écologie. Utilisent tout leur savoir-faire et leur ingéniosité pour concevoir et construire de nouveaux gadgets et procéder pour rendre la vie des Sims plus riche et plus écologique. On va essayer d'améliorer l'environnement. On va prendre planificatrice municipale et elle travaillera tous les jours de la semaine. Yes, allez, tu vas travailler à la maison parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, bah, sa performance du jour va pas demander grand chose parce qu'elle doit juste se procurer des matériaux recyclés. Donc en gros, on va recycler quelque chose qu'on a dans l'inventaire. Comme des tas de déchets en fait, hein, voilà, un tas de compost. Et ben, elle va le faire ça et elle l'aura déjà. Par contre, il faudra juste augmenter son niveau de logique. Donc je ferai ça. Ça recycle pour Sacha. Le petit cube. Braval! Et oui, ok, bon bah nickel quoi, très facile le travail. Le petit tour aux insectes, donc je m'excuse toujours, hein, je sais que c'est dégueulasse, mais je vous avais dit que c'était moins dégueulasse les criquets que les vers. Donc là on va mettre des criquets de nouveau, et ici on va mettre des scarabées, comme ça on aura le choix pour bichonner et récolter des trucs. Excellente nouvelle, vos investissements se sont passés à merveille et vous rapportent la merveilleuse somme de 3996 simflouz. Oh, mais c'est génial, on avait investi 1000 simflouz, on récolte 4 fois, presque 4 fois la mise. Je trouve c'est très intéressant. Du coup, bah écoutez, essayez d'investir dans l'affaire de Bess. Je crois que ça rapporte. Oups! Bah c'est bientôt leur anniversaire aux jumeaux, ils vont avoir 40 piges, déjà. Non mais en vrai, je vais pas aller faire se marier, avoir des enfants et tout, parce que c'est juste un petit let's play pour apprendre à l'évolution et comment ça se passait écologie. Moi ça m'a plu, c'était sympathique, hein, pour une fois que je suis allée aussi loin dans un let's play, on va dire. Mais voilà, je vais pas leur faire faire une vie, tout ça, ils le feront d'eux-mêmes plus tard dans une autre vie peut-être, mais pas celle-ci, quoi. Mais bon, ils vont vieillir, quoi. Bon, bah, tant qu'à être dans les saletés, regardez-moi ces scarabées. Ah, mais c'est dégueu. Ils sont énormes en plus. Moi, je trouve que c'est entre le vert et ça, je sais pas trop ce que c'est le plus dégueulasse, hein, honnêtement. Oh, mais la bonne blague. J'ai plus d'électricité, genre. C'est cassé, là? Non? Ah, crotte de bique. Bon, on profite que l'électricité est revenue sommairement pour faire un autre petit guéridon pour que je puisse poser la télé ici, voilà. Ça ressemble à un vrai salon, quoi. On va bientôt nous taper le niveau du dessus pour la logique, là. Ah ouais, hein, 88%. Bon, bah, je te laisse travailler, cocotte. Hein. Ah, d'accord, j'ai un panneau qui s'est cassé, donc ben, tu vas venir me le réparer direct, hein, parce que va y avoir besoin, là. Sinon, on ne peut plus rien faire dans la maison. Ceci dit, ça va, il arrive quand même à utiliser la machine. J'espère que ça va pas prendre feu en plein milieu, quoi.
N'oubliez pas de vous occuper de vos poubelles d'extérieur. Cette visite vous a été facturée 0 €. Non, parce que là, notre poubelle, on l'a mis ici. Mais si ça ne coûte que 0 €, moi, je prends. Hein. Modernisation, le financement A de la communauté. Le financement A de la communauté a permis. Petite erreur de français là-dedans. A permis de payer un nettoyage et une magnifique peinture cyan pour la grue près des quais. Elle est tellement brillante. No way! Oh, mais oui! Waouh, ma chérie, ça te va très très bien. C'est vraiment très très beau. Elle va bien à ton teint, cette couleur. C'est magnifique, non? Allez, on va pétiller un petit peu. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Je vais mettre du raisin. Je vais mettre 5. Ah, c'est par 5 maximum. D'accord, pour faire un pack de 6. Et au pire, on retournera voir ce que ça donne au marché pour revendre ça. Je pense que ça pourrait être très cool. Oh, mais même ici, regardez! Le sol! Oh là là! Ah, oh, c'est beau, la modernisation. Mais le petit tour dans la benne qu'on aime. On a déjà trouvé un lit cramé. J'ai fabriqué un truc super pour vous le week-end dernier car je vous trouve vraiment super. Oh merci! Comment tu t'appelles déjà? Tina! Qu'est-ce que tu nous offres surtout? Fais-moi voir. Une pièce d'amélioration électronique. Oh bah super! Oh chouette, on a trouvé une belle plante! D'ailleurs, on va vendre le frigo qui était ici, qu'on n'avait pas encore vendu, qu'on avait réparé. On en a pour 675 simflouz. Et regardez ce qu'on a trouvé. Une causeuse qui est cramée. Donc ça, on la laisse dans le machin. Ça, c'est cramé aussi. Ah, mais c'est avec son aspiration, on a reçu la même machine qui vaut 1800 simflouz quand même. Bon, voilà, passez au niveau 6 de la carrière. Et puis vous aurez la machine automatiquement, quoi. Bon, pour l'instant, j'y touche pas. On avait fait une commode. Je pense qu'elle est quand même vachement grosse pour aller dans les chambres que nous avons, à part celle de Sacha. Donc en fait, je vais la vendre. Et cette table magnifique qui n'est pas cramée, on va la vendre tout de suite. Et on avait trouvé cette très belle plante. Ça, vous savez, moi j'aime les plantes. Donc ben, tu vas venir là et tu vas faire une très très belle impression. Et le petit guéridon va aller ici avec la télé. Et voilà! On a une télé dans le salon. Alors, fais-moi voir le bon jus que tu m'as préparé. Alors, on va laisser ça. Regardez-moi ça. On a un pack de 6 revendu 70. Pour l'instant, je vais le mettre au frigo, hein. Allez, bonne nuit les enfants. La journée de Sacha commence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Consulter le tableau de vote et présenter un concept municipal. Waouh, qu'elle est belle sur son super vélo vert. Parce que écolo. Bon, fais attention à pas écraser ni les coccinelles ni les vieux croutons, hein. Je fais attention. Qu'est-ce que racontent les potins de la semaine? Un truc très amusant vient de m'arriver. J'ai invité un autre Sims chez moi et j'ai reçu de l'influence pour ça. Et lui, pendant ce temps-là, eh ben, il fait des bougies. Excusez-moi, madame, vous voulez peut-être draguer le vendeur de pizza? Ah, regardez-moi ça. Elle est toujours avec son invention du rond-point. Elle en peut plus, quoi, hein, Sacha. C'est l'invention du siècle. Elle y croit dur comme fer. Les petits cafards, ma cocotte. Ah, vas-y, avec tes talons, faut bien viser. Hein. Bah, Jonah, pendant ce temps-là, il a cassé sa machine. Et il s'est dit, je vais faire un peu de cuisine, tiens. Utile, raison préparer un repas sans ingrédients. Pourquoi choisir une façon coûteuse de cuisiner? Elle est dénichée les ingrédients pour économiser de l'argent, un jardin, une poubelle, de réfrigérateur du voisin. Voilà de bien meilleures sources d'ingrédients que les magasins. Non mais n'importe quoi. Il a fait une salade sans ingrédients dans le frigo, donc on a dépensé de l'argent qui culpabilise. Persil, le basilic, on peut le mettre. Eh ben, on va faire full persil. On va voir ce que ça donne, à mon avis. Si c'est encore des trucs chelous ou pas. 61 simflouz pour faire pétiller. Ça reste un investissement quand même, la pétillerie. Hein. Et le pack de kombucha floral chrysanthème vaut 140 simflouz. C'est plutôt pas mal. Oh là là, mais moi j'ai oublié de m'occuper des bestiaux. Et là, tu vas récupérer les boules de scarabée. Boules de scarabée, des petites boules récoltées dans un élevage de scarabée, ça vaut 18 simflouz. Dans les poubelles, on a donc récupéré ce tableau-là qui ne m'intéresse pas, donc je le vends à 515. On a récupéré un lavabo qu'on va le réparer. On a récupéré un bureau qui m'intéresse pas non plus, on va le revendre pour 300 simflouz. Ouh, ah dommage, la table elle est cramée, donc on va la remettre dans l'inventaire et on pourra la faire de la récup sur elle. Alors le jus de persil, ah ce sera du kombucha.
Kombucha aux herbes persil. Très bien. Ça vaut 70 Aïe. infuses. Bon, pour Sacha, non seulement elle répare très rapidement le truc, elle le nettoie, et en plus, elle va avoir une promotion niveau boulot. C'est facile, hein, quand même. Quand on fait une carrière active, comme on l'a fait à la maison, c'est très facile de monter, quoi. Pour Jonah, vous êtes plusieurs à m'avoir déjà parlé de faire la carrière indépendant avec créateur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va tester un petit peu, vu que c'est peut-être la dernière chose à tester pour ce let's play. Alors, justement, est-ce qu'il sera artiste, expert en informatique, fabrication simplissime, mot percutant, style de main, évidemment. Bien, fabrication simplissime. Tu vas chercher un contrat, parce que tout ça va être facile, hein. Mère nourricière, compétence pétrie niveau 2, on peut faire tout ça. On peut faire pas mal de choses, sauf les bougies, les... Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bougies de concert. Ils ont oublié quelque chose. Des lumières. Ah, la cire poétique, ça coûte, c'est super cher. Allez, on va commencer par la vie saine. Oh, eh ben, Discutez avec le je client, n'aime préparez pas. le pétillot tofu et envoyez votre travail terminé au client. Ouais. Ah, le pétillot tofu qu'il doit préparer pour son client, c'est avec les graines de soja. Mais c'est marrant parce qu'au départ, j'ai voulu tester mettre des graines de soja qu'on a, hein, et ça voulait pas prendre. Je pense que plus on évolue dans la fabrication, dans la pétillerie, plus on peut mettre de choses à l'intérieur. Donc on va tester. Youhou! Elle a été promue au poste d'inspectrice urbaine et gagnera maintenant 106 influences de l'heure. Oh là là! Mais quelle femme! Quelle femme cette petite Sacha, on s'en remet pas. Bon, elle a du taf hein, parce que il faut atteindre le niveau 5 de la compétence logique et de la compétence charisme pour progresser. Interroger à propos des plans d'action de quartier et mobiliser les électeurs pour un projet d'espace communautaire. D'accord. Oui, graines de soja. Eh bien, écoute, tu vas m'en faire 5. Et puis là comme ça, on ira au marché le vendre. Et après, 17, ça va, c'est pas trop trop cher. Et le solo, tu le feras pour ton client. Parce qu'on n'oublie pas qu'il a une petite mission de faire du pétillot tofu. Mais dites, c'est débile, mais je les ai jamais fait se laisser glisser. On va tester avec Jonah, peut-être que ça fait un petit moodlet sympathique. J'en ai aucune idée. Hein, mon chou? Ça te dit de te laisser glisser? Allez, on va regarder ce que ça fait. Attention, hop là! Voilà, c'est rapide. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide en fait. Et ça ne fait rien de particulier. Bon, bah, moi j'aurais testé. Alors, on va récupérer le pétillot tofu. Bien sûr, ça déconne pile à ce moment-là. Ah, et ça a déjà le nom de pétillot tofu. D'ailleurs, j'ai pas regardé combien elle valait. 35 si plus. Oh, ça va, c'est pas énorme. Le tofu est prêt. Tu pourras venir le récupérer. Allez, c'est parti pour la bouteille. Bien sûr, on garde le nom. Et tu vas l'envoyer au client pour approbation. Allez. Bah oui, c'est comme ça. Cette boisson a changé ma vie. Je ne me suis jamais senti aussi sain. Je crois même que je suis le Sims le plus sain du monde après avoir bu ce pétillot tout fou nutritif. Approuvé, c'est exactement ce que nous voulions. Continuez cet excellent travail, Jonah. Eh ben, ça fait plaisir. Ah, petit retour sur la modernisation. Les nouvelles rues ont reçu tellement d'éloges que nous avons consacré une partie de notre financement à un nouveau briquetage plus moderne autour de nos allées. Désormais, les habitants de Port-Promise peuvent se promener de façon beaucoup plus stylée. Oh! Oh, Mazette, regardez-moi cette allée en bois. Oh, comme c'est beau! Oh là 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 là! Mon Dieu, regardez-moi ça. Ah, c'est trop canon. Vive-nous, hein, quand même. Ah bah voilà, ça lui plaît pas, hein. Vendu au monde de l'entreprise, va travailler. Jonah croyait en un monde où les Sims n'avaient pas besoin de travailler pour obtenir des Simflouz. Mais il a abandonné ses valeurs friganes au profit d'un salaire régulier. Pff, il a vraiment changé. Bah, c'était pour vous que j'ai testé, mais pour lui, ça ne va pas, hein. Et nous voilà au marché et tu vas installer des choses, tu vas voir ton inventaire et on va mettre tout ce qu'on peut. Mais regardez comme il est beau, notre stand est bien rempli. D'un côté, vous avez le biocarburant et les jus, et de l'autre côté, des belles bougies. Qu'est-ce que tu vends, toi? Ouais, c'est de la merde. Madame? Madame, vous voulez acheter? Attends! On va mettre les prix. On va mettre les prix, parce qu'il faut pas déconner. Augmenter les prix. On est à 25. Allez, on va tester à 300%. Oh, non, on s'en fout, là, on est dans un jeu. On s'amuse. Allez, vas-y, vends, parce que là, on a besoin. Et elle, qu'est-ce que tu fais? Parcourir, ok. Non, tu dois faire des trucs pour ton taf, toi. Tu dois interroger les propos des plans d'action. Tu vas. Ah oui, non, mais c'est des personnes célèbres, donc c'est chiant.
Ils sont tous célèbres là dans le coin. Attends, tu vas te dire bonjour à elle et puis on va. Qu'est-ce que tu vends toi? Mais tu vends de la merde aussi, toi. Non, mais quand même. Allez, là, lui propose. Enfin, lui, l'interroge à propos des plans d'action dans le quartier. Alors, Maïké n'est vraiment pas convaincue par les techniques d'interrogation et les questions de Sacha. Lui répondait clairement que les PA qu'elle soutient ne la regardent pas. Ok, d'accord. Bon, ben, je savais pas que t'étais aussi une grossie grosse conne. Mais on va essayer de mobiliser les électeurs, du coup, parce qu'on est sur le bon endroit, donc c'est reparti. Je crois qu'on n'a pas vendu grand-chose. On va essayer de... On va mettre 100%. Allez. On va mettre 100%. On va voir si ça se vend un peu plus, parce que là, on n'a rien vendu. Ce serait dommage, quand même. Toutes ces bonnes choses qu'on a fait avec le cœur, hein, quand même. Mais c'est qu'elle a réussi à rameuter du monde quand même, hein! Oh là là, bah y en a un qui doit être connu. Ah, mais oui, c'est Orange! J'avais oublié. C'est pour ça. Ah non, mais dormez pas! C'est parce qu'il est fan! Elle a l'air de rameuter un peu des gens! Donc n'hésite pas, cocotte, hein! Récolte des votes! Bon, on n'arrive pas à vendre! Ah, alors j'ai fait. J'ai fait commencer un vide-grenier, d'accord? Ça commence, un événement! Mais écoutez, on va voir ce que ça donne! Peut-être que les gens ils vont venir à vendre ou quoi, je sais pas. En tout cas, on n'a rien vendu. La dernière fois, on avait tout vendu en moins de deux. Là, rien du tout. Bon, allez, on va tenter d'abroger un truc. Faudrait qu'elle sympathise et qu'elle demande des signatures. On va tenter d'abroger le truc contre ben, les arts créatifs. Disons que c'est bien, mais je voudrais l'annuler, quoi. Voilà. Oh, ben, est-ce que Don Lotario va être dispo pour ça? Je ne sais pas. Ça y est? On a vendu un truc? Oh, sérieux? Je sais pas ce qu'on a vendu, mais 8 simflouz, c'est pas énorme, hein. Ah si, si, ça y est! Oh là là! 280! Ça y est, on commence à vendre! Oups, embarrassé plus 2, n'a pas su mobiliser. Malgré le discours passionné de Sacha, les gens sont restés indifférents. Malheureusement, l'opinion pour son PA reste neutre. Ok, bah zut! Ça y est, on a vendu des trucs! C'est trop bien! Bon, elle te veut quoi cette meuf là? Parce que depuis tout à l'heure, elle vient, elle squatte, mais elle t'achète rien. Commence à gaver un peu, non? Madame, vous achetez ou vous en allez? Bon, dis donc, elle s'entend bien avec Donna. N'inquiétez pas, ça ira pas plus loin. En fait, je pense que quand elle veut mobiliser les électeurs, c'est vraiment quand il y a un truc qui est dispo. Là, comme les 4 sont déjà pris, ça sert à... elle pourra pas mobiliser grand-chose. Bon, c'est un peu tristesse, mais on n'aura pas beaucoup... Voilà, on va tout ranger. Et puis, on va rentrer parce que là, il est 2h du mat, donc bon. Oh yes! Elle arrive à choper des votes, là, pour l'abrogation. C'est trop cool, merci, mesdemoiselles. Oh, oui! Une voix de plus! Mais je sais pas à combien on est, quoi. Oh, ça, c'est trop cool. Nous voilà enfin rentrés. Ils sont complètement explosés de fatigue. Ma cocotte, toi, tu vas aller faire un petit pipi. Et après, tu iras au lit. Tant pis, tu n'as pas réussi à faire ta mission. En tout cas, de mobiliser les électeurs, on l'a fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais au moins, on aura essayé. Pendant que Sacha va se coucher, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bah, comme d'habitude, commenter, liker et partager la chaîne. Je vous fais des très très gros bisous. À la semaine prochaine pour eh ben, un peu encore de let's play découverte. Je vous fais des gros bisous. Ciao!